Bonjour Dominique et Sylvia. Bonjour. Je suis content de vous voir à nouveau devant moi, 2 ans plus tard. C'est long, hein? Vous n'avez pas changé. Vous vous aimez toujours malgré les obstacles rencontrés. Ah oui, oui, oui. Et j'espère que cette fois-ci, nous pourrons arriver au bout de la cérémonie et que vous pouvez enfin dire oui. En effet, il y a 2 ans, j'aurais dû vous mettre en garde contre les conséquences qu'aurait votre mariage sur vos finances et sur votre future vie à deux. Vous en souvenez? Une dépendance financière pour Dominique qui n'aurait plus pu toucher son AAH. Une dépendance financière qui n'allait pas manquer d'avoir des conséquences lourdes sur vos vies professionnelles et personnelles. Heureusement, à partir du 1er octobre, Dominique, vous pourrez conserver votre AAH, qui sera calculé uniquement sur vos ressources et pas sur celles du couple. Je voudrais dire que c'est grâce à la mobilisation des associations comme telles que APF France Handicap qui nous a rejoints dans ce juste combat. Bravo. Nous voilà donc réunis pour vous unir enfin par les liens du mariage. Voilà, se donne la main, bien, un début. Je vais procéder à la lecture des articles du Code civil. Article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, ça va jusqu'au 400, hein. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, premier alinéa. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'éducation de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, pardon. Elle appartient aux parents jusqu'à sa majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Bon, maintenant, on va passer aux engagements. C'est un moment fort, hein. Mesdames, acceptez-vous de combler votre bien-aimé, de la chérir, de la nourrir? Eh bien, je vais devoir lui faire la cuisine tous les jours. Oh, je sais pas, moi, j'hésite, hein. Mesdames, acceptez-vous de garder votre indépendance financière? Mais on va quand même pouvoir ouvrir un compte commun, se faire des cadeaux. Aussi souvent que vous voulez. Oh. Madame, pourrez-vous alors accepter toutes les promotions professionnelles qu'on vous proposera? Ben alors, dès lundi, je demande un rendez-vous à mon supérieur pour une augmentation. Et il a intérêt à me la donner, hein. N'oubliez pas de déclarer quand même votre changement de statut matrimonial pardon, à la CAF. Bon, maintenant, c'est un moment solennel. J'attends toujours les « oui, je le veux ». Oui, je le veux. Les fiançailles ont été longues, mais je peux enfin vous déclarer unis par les liens du mariage. Je vous invite tous et toutes à notre super barbecue.